Pasteur, pour être branché pour un show malheur. Pasteur Caleb, Kaela, Jen and Jen Show. Pasteur BC au Jen and Jen Show, restez branchés, n'a pas un bon temps ensemble. Yes. Oh, show! 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 Bienvenue dans l'autre édition de Jen and Jen Show. Show parle, nous tous. Gardez-nous et m'a salué co-animatrice moi, Jen. Bonjour Jen, bonjour et toujours contente pour nous faire émission ensemble parce que émission ça en pile mon attente. Alors, nous avons invité malheur ensemble avec nous, un homme de Dieu, un pasteur extraordinaire que pour la communauté haïtienne dans les en pile oui. Et moi-même en particulier, Baron Gourou, oui. Moi-même c'est oh, sûr, oui. Parce que moi-même elle l'a prêché tout ça. Fait que, alors, nous sommes avec nos pasteurs Caleb. Alors, bienvenue dans Jen and Jen Show. Merci pour l'invitation. Nous saluer des milliers de personnes qui suivent nous au travers de la diaspora. Nous comptons pour nous cap là et espérer pour présence nous après bénédiction pour tout le monde qui suivent. Voilà. Ah, merci, merci. Et nous connaissons que nous toujours prenons un petit temps pour saluer tout le monde qui suivent nous parce que nous avons des gens qui sont au Chili, nous avons des gens aux États-Unis. Shout out to the people in USA. Continue to show us love. Et nous connaissons pas jamais qu'à suspendre by Moon Montréal your love parce que c'est là la fin émission. Exactement. Zami New York en République Dominicaine, Haïti, Guadeloupe, Martinique, tout côté. Oh. Et si nous t'apprends pour t'as cité pays, nous pas fini cité pays. En effet. Alors show ça, l'heure sortie, pas oublier partager. Et quel que soit émission à nous gagner, faut que nous partager. Et puis le nous aller sur YouTube, n'a tapé Jen and Jen's Show. Et puis n'a pas une petite cloche en haut à droite, n'a cliqué sur lui pour nous capable gagner toutes notifications émission pour nous pas manquer rien. Alors encore une fois, moi je dis merci le fait que vous avez accepté l'invitation ça, parce que Caleb non, Jen and Jen Show, son honneur et son plaisir pour nous recevoir dans le studio. Son privilège immense pour nous Kala. Et n'a pas tant nous en entrevue explosive côté lumière pour le jaillir. Oui, 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 lumière. Alors, Pasteur Caleb n'a commencé avec question ça que nous toujours commencé avec tout le monde. Côté que on parle trop dur, on parle dit qui est-ce qui Pasteur Caleb qui parcourt et puis pour public la connaît mieux bien que moi connais guère pile qui connaît déjà. Pasteur Caleb lui s'il t'a parlé de moi, son jeune homme qui a prêché depuis à l'âge de 20 ans, qui aujourd'hui a 33 ans, wow. Père de famille, marié à la belle Sabine depuis 7 ans, et puis ça fait 10 ans nous en couple. Allô Sabine, bonjour. Hey Bill, nous avons 3 petites, Olivia Joyce, 5 ans, wow. Tyson Caleb, 4 ans, Christopher Prince, 2 ans. Bon Dieu, fais-nous grâce après quelques années d'université, nous capables de gérer en l'église avec papa, le pasteur Amus Barthélus, avec maman Odette Chérivien, nous capables de gérer une très grande église haïtienne dans le quartier Saint-Michel, complexe CEUM, également qui est dans Ottawa, Kounia, tout, donc nous avons géré sur... C'est ça que nous avons suivi, nous avons venu sur ça, oui. Donc nous avons géré deux grandes assemblées fleurissantes et bon Dieu fait nous grâce pour nous capables serviteur dans sa vigne, serviteur, nous pas parfait, nous gagnons perfection, nous, mais Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Oui, oui, voilà. Oui, oui, c'est très important. Ouais. Wow, c'est vraiment intéressant, alors qu'il veut dire que c'est vraiment un bel cheminement. Mais bon, comme on dit que c'est à 20 ans, que, qui veut dire que c'est à 20 ans que appel de Dieu, comme si pour nous-mêmes, les vignes. Il s'en comment? C'est à 20 ans d'y débuter, première prédication. C'était à 20 ans, la fête des mères de, d'il y a quelques 12 à 13 ans de ça. C'est là que j'ai fait première prédication. Mais puis depuis lors, mon Dieu, fais-nous grâce pour nous prêcher dans les ministères les plus importants de cette province et également en Haïti, et énormément aux États-Unis, en France. Bon Dieu, bonne grâce pour nous très connus dans la diaspora haïtienne au grand complet. Et nous prenons ça avec un pile d'humilité parce qu'il y a un pile de responsabilité qui vient à ça, surtout là où jeunes,
la force de l'âge, mais en même temps, elle vient tout dans le piège de l'orgueil, le piège du péché. Donc, c'est avec un pile précaution que nous acceptons l'appel ça. Mais comment vous avez reçu l'appel? Appel, bon Dieu, on connaît que vous faites dans une famille chrétienne, mais comment vous avez reçu l'appel de Dieu pour que vous pasteur même? Moi, je connais tes grands appels sous la vie parce que depuis mon tout petit, depuis à l'âge de 7-8 ans, j'étais toujours différent et même dans mon adolescence, toutes mes sœurs apprennent badge basket, qu'elles fumaient ou qu'elles n'enfient. Moi-même, j'étais toujours voulu à la caille. Pas parce que j'étais mieux que eux, mais j'étais toujours dans un certain sens de retenue qui fait me comprendre mon grand appel sous la vie. Et à chaque fois, il y a des gens qui t'ont rassemblé, qui t'ont fait ça, qui passent, j'étais toujours senti présence, moi, dérangé. Okay. Et c'est pas parce que m'a jugé yo, mais bon Dieu t'a mis en lumière sous la vie qui fait en sorte que depuis ces des comportements de mauvaise vie m'obligé de démarquer. Et en pile monde t'est toujours à venir moi pour conseil, ça cap crier, ça qui besoin pour yo guider un peu. Donc il était venu évident à l'âge de 18 ans que c'est route ça bon Dieu t'a prend avec fait tout ça m'a fait pour pas t'apprendre route ça, mais bon Dieu mettez nous la donne et qu'il ça fait 8 ans que ma temps plein dans le ministère. Temps plein. Et bon Dieu fait des choses extraordinaires. Il a explosé le ministère en nombre. Il a nous énormément d'opportunités de voyage. C'est une belle chose de travailler pour Dieu. Oui, effectivement, pendant qu'on va parler de voyage, moi, je me suis sur page. Moi, que, ouais, surtout. Aux États-Unis, nous voyageons pas qu'à côté États-Unis, mais dernièrement tout à Massachusetts, oui. Son côté que on allait souvent, on allait prêcher, mais chaque fois que on partit dans voyage ça, qui gens monde qui dans l'église, qui gens yo recevoir, qui gens que tout yo recevoir message que grâce à Dieu, toujours recevoir. Là où son pasteur, surtout dans la communauté, pas nous, il y a un pile standard. Oui. Là, il y a recevoir pasteur. Exemple, si on m'a mis à recevoir un pasteur, ou après, elle sorti un paquet de qualité vaisselle que le pasteur me sorti pour si mon bio, il y a un arrangement qui fait parce que pasteur prêt à venir. De ce fait, là, nous voyager, il y a beaucoup de standards, de prestige qui viennent avec ça, mais nous pas jamais oublier tout que. La mission première, ce n'est pas le confort que nous jouons sur la route, ce n'est pas les honoraires que nous jouons sur la route, mais c'est de s'assurer que nous communiquons le message de grâce que Jésus voulait bailler. De ce fait, les allées là, nous parlons pour nous magasiner, pour nous visiter la ville là, nous être là à étudier, à prêcher, à préparer des sermons qui ont béni moun, mais également annuler un suicide, béni moun, restaurer un mariage. Donc, nous voulons assurer nous pour nous communiquer le cœur de Dieu parce qu'on pas comme qui moun cap devant et dans les centaines de personnes, il y a toute qualité moun. Grand moun, c'est seulement espoir, un message lié, sinon qu'on va tirer la ville. Donc, nous prenons ça très au sérieux pour nous communiquer le cœur de Dieu. C'est très important, très important. Mais, pasteur Caleb, il y a quelques bagages que j'ai observé parce que je fréquente le milieu évangélique en pile. J'ai observé moi il y a une pile division dans l'église évangélique. Qui sont pensés qui cause ça? Avant de répondre, ça sont décorations ou bien nous capons? Nous capons. Nous capons. On peut faire nos boîtes oui là. Division, quand ça fait division, c'est que nous pas comprendre l'évangile. Yes. La journée que n'a comprendre qui mon bon Dieu ça y est, n'a comprendre que n'a pas de division. Il va déclarer dans Jean 17, je désire qu'il soit un comme le Père et moi nous sommes un. De ce fait, justement un avec Christ, donc Christ voulait pour l'église dit dans l'unité. L'unité signifie pas l'uniformité. Unité pas veut dire nous va toute bagaille même gens. Unité voulait dire, quelle que soit opinion, pas aux Jean-Louel, nous pas gagner droit dans la colère, et même si nous en désaccord, faut nous assurer, nous, à la fin de la journée, que Jésus gagne. Oui. Faut nous voler pio que tout ça qui a un agent qui a invité le diable à mettre scission parmi nous. Oui, parce que bon Dieu toujours aimait unité, vraiment. De ce fait, pour qui ça gagne division, parce que gagne un pile orgueil, pas gagne brisement, et c'est jouet l'église n'a fait.
Mais là, moi, je ne suis pas venu pour intérêt, je ne suis pas venu pour gloire, je ne suis pas venu pour opinion, je suis venu pour m'ajouter à la collectivité, c'est là qu'il y a unité. Mais là, je suis très self-centered, là, tout le bagage est centré sur moi, je suis égocentrique, je suis narcissique, inévitablement, il y a une division parce que depuis l'opinion, je ne suis pas passé, ça n'a pas fait. Il y a une pile division et des phénomènes tout, l'église haïtienne. Très souvent, deux pasteurs pas comme tête ensemble parce que yo gen mon ka fait le tout. Oui, voilà. C'est vrai. De se faire paquet moun qui t'a doué des bons deuxièmes, yo des piètes premiers. Nous plutôt faire paquet si boutique parce que nous t'a fait des grandes églises qui a impacté la communauté. Donc, a toujours gen division, a toujours gen malheureusement mais nous jou n'a comprendre bon Dieu que n'a servi en. On a commencé à mettre tête nous ensemble pour nous faire l'évangile avancer. Exactement, c'est ça que tu as supposé, oui. Vraiment. Ou vraiment bien parlé. Mais en même temps, tout, bon, l'autre phénomène tout que m'a suivi tout, et moi-même, tu as aimé pour faire opinion, comme si, qui soit pensé de phénomène prophète. Ah! premièrement, dans L'époque biblique. Dans l'Ancien Testament, le ministère du prophète était pour l'annoncer l'imminence du jugement de Dieu si pas de repentance. En d'autres termes, prophète là, il n'y a pas de ministère côté l'elfine parler, il tellement parlé, peuple a tellement content que il campait là pour la signer autographe, il campait là pour la prendre photo, ceci, cela. Pour vider la jambe. Prophète là, dans l'Ancien Testament, il était la voix du Seigneur pour annoncer l'imminence d'un jugement si pas de repentance. Ça, c'est la première des choses. Mais deuxièmement, il y a des messages prophète là, joignent. Li t'a rêvé pour bon Dieu t'a bayon l'autre monde li tellement message la cru et sec. OK. Donc très souvent les prophètes la fin parler li est facile. Parce que li connaît avec message ça vit en danger. Aujourd'hui nous qu'un paquet de prophètes qui a prophétisé ou a bien machine ou a bien caillou mais ça me pas besoin prophète pour ça me besoin travail. Besoin j'ai besoin de crédit en forme. Donc, puis nous avons oublié. Paquet de monde aujourd'hui, j'ai fait de bon Dieu bavard, alors que entre Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, et Matthieu, le premier livre du Nouveau Testament, il fait 400 ans de silence côté prophète pas parlé. Ça veut dire les bon Dieu parlé, message pas pertinent. Mais aujourd'hui, nous avons paquet de monde, c'est des 10 heures de bonne aventure, et au bail peuple là, des paroles que bon Dieu pas dit, mais ce sont des paroles lucratives. Automatiquement, on me dit ou bien kay, ou bien machine, ou bien job, ou bien ceci, ou bien cela. Évidemment, on pas même besoin de réfléchir au budget de la soirée, panier ou rempli. Exactement. Mais la plupart de ces prophètes-là, pas gens qui vont appeler mettre mariage ou en ordre, mettre la vie ou en ordre. C'est toujours des. Yo vin tourner, bon Dieu vin tourner, bon Dieu Père Noël. Oui, qui seulement intéressé au matériel alors que l'évangile c'est réglé à faire l'homme. Spirituel. Parce que on moun ka béni avon belle caille, on belle machine et puis même pourtant on dit c'est sa bénédiction. Non, ça c'est complément de bénédiction parce que malfaiteur ali ka gran on Mercedes tout. Malfaiteur ka gran gros caille tout. Donc si nous réduit la bénédiction à ça, nous pas comprendre l'évangile. La bénédiction c'est pas ça me posséder, c'est qui moun moi yé dans bon Dieu. Exactement. Alors, est-ce que bon Dieu a révélé un prophète pour prophète là dit au monde pour faire éducation petit tout accoucher avec professeur l'école là accoucher avec pour faire éducation petit tout accoucher avec directeur l'école là mais professeur l'école là. Bon Dieu pas jamais contredit sa parole. Bon Dieu pas jamais contredit sa parole et aujourd'hui malheureusement nous tellement gain de monde qui la Bible dit dans les derniers temps il y a bien la fâcheuse tendance d'entendre des paroles flatteuses. Donc, il y a bayo des prophètes selon leur propre conscience. De ce fait, prophète sayo spécialement Mounsa Napalea, ce sont des vagabonds qui étaient engagés parce que le peuple n'a pas gain discernement. Dieu et ils n'ont pas gain relation avec Dieu. Ils ont
pifon nan yo yo vini a Dieu pour sal bay et non pas pour ki moun liye. De ce fait, li très facile pour yo accepter n'importe quelle prophétie, yo accepter n'importe quelle parole yo. Parce que le problème avec l'haïtien, Simkal la, le problème avec plusieurs fidèles haïtiens dans l'église pour nous piaffer. Pour nous sauter, pour nous pomper, pour nous tendre la prophétie, pour nous bien paraître. C'est son parade de Louboutin, de Gucci, de Jogo, son paquet de chapeaux, c'est ceci, cela. C'est l'aristocratie qui entre dans la présence de mon Dieu. Mais nous aimons concert, nous aimons parader, mais nous ne sommes pas des chrétiens de la parole. Nous pas ouvrir la Bible, nous pas analyser les Écritures. La Bible prend déclaré dans l'acte des apôtres, les chrétiens de Béré analysaient les Écritures à chaque jour pour y voir si ça y était recevoir comme enseignement est exact. Haïtiens, malheureusement, en pile n'y a pas tout, ou quand il y a n'importe quoi, il n'y a pas intéressé à aucune théologie, à aucun contexte, quel que soit sort, il y a pensé c'est la parole. C'est ça parce que moi souvent nous sommes vraiment intéressés tout par le phénomène de miracle comme si nous attendons miracle et c'est ça monsieur on est voulu aller là et t'as souhaité tout le monde entendre ça spécialement les évangéliques ou qu'on est si nous marchons par les principes divins nous pas demander bon Dieu miracle trop souvent exemple okay. Un monde qui mangeait bien. Est-ce qu'on est obligé de demander bon Dieu un miracle de la santé? Pas non. Forcément. Ah oui, ça c'est vrai. Un monde qui économise l'argent, qui connaît que chaque chose en sa saison, est-ce qu'il a besoin d'un miracle économique? Non. Ah. Un miracle, mon Dieu, fait tout simplement là où fait tout ça qui est possible et puis qu'on y a même dit engager l'impossible. Mais nous n'avons pas qu'un monde d'église qui a tant de miracles alors qu'il n'y a pas fait rien dans le domaine du possible. Moun n'a pas étudié, mais il arrive devant examen 1, Jésus 2, bon, on compte tout bagage. Pas gain piège Jésus devant. Moun n'a pas économisé, Jésus c'est où kabankai. Donc, n'a vivre dans un monde de principes et moi me dit ça m'a dit en français, la foi n'annule pas la responsabilité de l'homme. La foi pas annuler responsabilité nous gain en tant qu'humain. De ce fait, nous gain pas qu'être moun qui a tant de miracles, mais c'est parce que yo pas comprendre bon Dieu. Bon Dieu, là, il t'a fait miracle dans la parole, il t'a fait pour stimuler la foi des incroyants. Pour lui montrer Mounio, pour susciter leur attention. Et puis, une fois Mounsayo capté par la puissance surnaturelle, Kounyayo tendait le message. Mais nous-mêmes, c'est ça qui fait nous tomber en paquet de faux prophètes, faux apôtres, mercenaires, vagabonds en cravate. Parce que nous, tellement assoiffés de miracles, n'importe quoi Mounsabaou, ou prend, alors que ce sont des Ougans déguisés en pasteurs. Oh oui, exactement, c'est des maçons loges. Oui, des maçons déguisés en pasteur. Ouais. Peut-être ça me parle de effet miracle. Alors encore pour nous retourner sur ça, hein, c'est que fidèle tellement à la recherche du miracle, c'est comme si que yo vin vraiment perdu valeur, comme si l'église, la Bible, comme si l'on à l'église ou pas l'église pour miracle, mais ou à l'église parce que ou à chercher, édifier nous. La réalité d'un monde à l'église, il doit résumer à une seule phrase. Phrase, ça, c'est pas miracle, c'est pas prospérité, c'est pas. Phrase, ça, c'est mieux connaître Jésus. C'est ça, but l'évangile là. Mm-hmm. Mieux connaître Jésus. Ça veut dire, depuis où sont l'église, mais accentuer ce miracle, imposition des mains, la puissance charismatique. Le danger, c'est que depuis un fidèle, pas un fidèle d'études bibliques, d'école du dimanche, il pensait dans la foi. Première tempête qui vient, il est déraciné. Wow. Parce que nous ne savons pas les racines. Les racines, c'est la parole. Et nous plus, qu'on y a tout le monde l'église, qu'a piaffé, qu'a pompé, il n'est pas mauvais pour nous gagner des stades avec des lumières ou tout ce genre de. Il n'est pas mauvais. Par contre, est-ce que nous chita dans la parole et c'est pas parce que Bible a ouvert que bon Dieu parlait. Un beau parole, oui. Et c'est pas parce que tout l'église là vient pile monde que bon Dieu parlait. Non, parce que des fois il a cherché bon Dieu dans la foule, pourtant bon Dieu oui. Qu'à côté qui pagait tout ce tape à l'œil, mais côté qu'on soif sincère pour la connaissance de la parole. Et mon Dieu, Dieu, les compter sur quantité, pas compter sur qualité. Les compter sur qualité, mais pas les pas compter sur quantité. C'est ça. C'est ça parce que normalement, nous avons plusieurs là.
et puis nous pensons quantité monde qui l'église là pas bon Dieu pas content non il doit avoir un seul grand monde qui doit pas joindre du tout que les sentir qui pas comme si bien dit oui vous très bien dit la réalité c'est que si ministre ou bénivré la foule a venu tôt ou tard. Mais nous ne devons pas mettre l'accent sur ça de coup de côté de la foule, bon Dieu là. Ce n'est pas vrai. Non, parce que des fois, nous pensons bon Dieu là, dans une grosse cathédrale là, parce qu'il y a un gros français, un gros intellectuel, un gros ceci, cela. Pourtant, bon Dieu, dans ce sous-sol misérable là, côté il y a deux, trois mounes qui ne peuvent pas mettre deux, trois mots français, puis qui ne peuvent pas mettre théologie, mais qui ont un cœur sincère pour bon Dieu, puis la vie en ordre. Exactement. Et c'est toujours dans ce sujet ça, on a parlé de ça, bon Dieu, voulait, non pas parfait et non pas comme si à juger qui que ce soit, mais on a essayé d'éclaircir comment l'évangile a fonctionné de nos jours. Alors, dernièrement, nous avons vu dans TVA, nous avons eu un gros déblosage concernant un pasteur sur Grande Prairie en bas, Montréal. Oh, ça a eu quelques mois. Exactement, qui a fait grand parler en pile. Et nous sommes capables de dire que. Bagay ça t'est tellement fait parler en pile nous t'es honte pour l'évangile. Bon, moi même qui crois dans bon Dieu, qui connaît existence bon Dieu, me t'es honte dans l'évangile et qui fait me prendre sujet ça parce que l'église ça li tellement exigeant et puis pour aller dans bon façon pour habiller, pour aller dans faut qu'on conseille de gros machine, sont pas au monde qui vraiment veut d'être vraiment star, l'église ça est comme s'il pas fait. Pour est-ce que c'est bon Dieu demander ça? Et tout faut qu'on parle de faut qu'on bail comme parce que sont pas bail au moins 10% salaire ou pas ni on bail de ce genre oui, comme si avec le phénomène qui t'est arrivé avec l'église ça, il vient tourner en y ont avertissement en même temps pour nous tous pasteurs pour que nous à la bonne place. Bon Dieu parait de nous pour nous rouler des grandes marques de voitures et si nous gagnons gloire à Dieu parce que bon Dieu qu'on bénit petit dit tout. Moi pas quoi que le ministère c'est faire vœu de pauvreté. Faut nous gagner belle car faut nous gagner belle machine. Le problème c'est Jen, faut que nous pas attachés. Exactement. Faut que nous pas attachés et là nous vivons l'église ça pas ta jambe douée. La compétition des classes sociales. Ça pas ta jambe doué la compétition des classes sociales en d'autres termes, bah comme si c'est ça que qui t'est arrivé avec eux, mais quelles que soient les voitures, faut l'église a pas venir tout en concessionnaire ou bien faut l'église a pas venir tout en parade de mode, faut monde qui venir avec petit veste chiré là ou bien petit talon crasé là, faut le sentir la bienvenue aussi. Par contre, dans les médias, ils mettaient le phénomène du 10% du salaire ou ceci, cela. Mais nous, les chrétiens évangéliques, nous, les pasteurs évangéliques, nous prêchons la dîme. Oui. Nous croyons la dîme. Côté OM, là, l'église, mais pour rouler, c'est minimum 35 000 $ par mois. Donc, nous n'avons pas l'optique de bâtir notre royaume ou bien l'argent est utilisé pour avancer la vision de l'église, mais selon Malachie 3:10, nous croyons dans la dîme et nous croyons que tout le monde qui remet bon Dieu, si bon Dieu baille le maximum, il faut capable baille le minimum. Sinon, l'église est fermée, nous pas subventionnée par l'État. Mais, scandale, ça vient faire nous remettre les priorités à l'heure. Nous pas dans l'évangile pour la prospérité, nous pas dans l'évangile pour le tape à l'heure et nous dans l'évangile pour annoncer Jésus. Exactement. Pour nous être dans le même cadre, toujours, moi-même, t'as remis qu'on est, est-ce qu'un pasteur, normalement, est-ce que t'as supposé à travailler en même temps que les son prédicateurs? Parce que souvent, nous, on a des pasteurs, il y a un courrier, et les avions prêchés, comme si on pas senti que prédication comme béni. Vous comprenez? Parce que focus, un pasteur t'a supposé dédié juste à ministère. Mais premièrement, son belle question, la Bible va déclarer il faut que celui qui annonce l'évangile vive de l'évangile. De ce sens, font un pasteur à mesure pour la temps plein dans le ministère pour être capable un concentrer, mais deuxièmement, prendre soin de la bergerie. Ma prendre dans ce sens ça après me ramener quelques nuances. Exemple, ou pas qu'un grand problème en tant que brebis, on investit l'argent dans l'église là, mais ou bien on difficulté avec Timounou, exemple, il est en prison, ou bien on besoin pasteur représenter au lacou, mais pasteur a dit ou ma pause c'est dans 15 minutes ou dans 30 minutes, ma prédé ou l'icavine en malaise. Donc tout pasteur, si l'église là gagne moun, parce que l'église même si
pasteur a tablé, pas gain moyen. On l'église de 50 personnes et moins, de 100 personnes et moins, ou pas qu'à mettre ton pasteur à temps plein. Et si tu es à temps plein, on va payer 15 000 $ par année, ça n'a pas qu'à faire un bouli. Mm-hmm. De ce fait, toute l'église pas gain même capacité financière. Mais si capacité financière il y a, font un pasteur à temps plein pour être capable de concentrer. Parce que fidèle, il a senti le message n'a pas gain substance. Oui. Fidèle, il a senti lorsque étude biblique, il y a de maigres informations. Donc, un pasteur a dû concentrer. Li ta doué étudier, li ta doué prier, li ta doué suivre des séminaires, li ta doué en possibilité pour voyager, là y aurait lieu d'un différent pays à l'autre, y aurait des horaires très demandants, mais en même temps, faut pasteur yo en même temps comprendre que il nous faut, il faut y aurait d'autres sources d'entrée aussi pour y pas dépendre totalement de l'église. Des albums de musique, des livres, des séminaires qui peuvent mettre en coffret pour être capable de supporter le ministère, tout parce que je crois tout pasteur t'a dû arriver dans une dimension s'il aspirait à être riche, mais c'est pour gratter nos mêmes malheureux. S'il aspirait à avoir un peu d'argent, c'est pour les bailler à monde qui nécessite. Donc, bon Dieu, pas jamais béni ou seulement peut-être pas ou dit béni ou pour lever l'autre avant. Exactement, mais en même temps, pendant que ou abdi ça. Est-ce que tout est normal pour un pasteur posséder un caille 2 millions et puis pour gagner un Mercedes, un Porsche devant la Cali, un Jaguar, pendant que il gagne des fidèles qui pas même posséder une machine, pas même manger, qui pas même manger, prendre le pour mettre un petit bail dans son dire. Fidèle là des fois on frappe porte pasteur m'a ka bay petite la manger kounya la bagay comme mais ma sœur prier bon Dieu a voyé comme bois la caillou mais la réalité non mais faut nous faire nuance ça la réalité c'est que moi c'est ça m'a bay la position de pasteur aussi nous pas un problème avec un pasteur qui bénit parce que moi la donne papa pasteur, m'ont grandi dans la matrice pastorale, moi qu'a dit au fidèle yo pas Jean ouais qui Jean pasteur t'a prédit le ministère pas de gagner. Pasteur t'a prédit peut-être certaines fois même à redonner son salaire pour hypothèque l'église là qu'a payer ou ceci cela. Donc il y a un paquet de sacrifices que peuple a pas de Jean ouais, mais mon Dieu qu'on fait petite y récolter. De ce fait, m'a pas grand problème avec un pasteur qui gon maison 2 millions de dollars. Par contre, est-ce que ça reflétait la prospérité de l'église? Problème moins, Jen, c'est que si vous avez une maison de 2 millions de dollars, mais building l'église là délabré, ou building l'église là pas même acheté pour l'église là, si vous avez un building de 2 millions de dollars, mais tout le monde a un petit papier dans la main pour faire vent, pas de climatisation, il faut que la prospérité du berger reflète la prospérité de l'église. Maintenant, en même temps, leur pasteur a une image, un Jean Pouillé. Parce que si le pasteur a marché en souliers déchirés, galon vieux pasteur. S'il a un bel soulier, lui son volet. S'il a un bel soulier, bon Dieu fait grâce. Bon Dieu fait grâce. Mais de ce fait, le pasteur n'a pas de problème pour le cas millionnaire. Depuis tout le monde connaît, il est béni et c'est pas dans ma gouille. Exactement, c'est ça. C'est pas maintenant cassé coup fidèle. Et en même temps, ou qu'a béni son pas flashy. Ça, c'est très, très, très important. Ou qu'a béni son pas flashy, son pas fait l'étalage de richesse ou pour qu'on pas attaché. Parce que là, on prend David, personnage biblique très riche. Joseph, personnage biblique très riche. Salomon, un milliardaire de son temps. Job extrêmement béni. Abraham, extrêmement béni. Donc, bon Dieu voulait pour petit Dieu béni. Par contre, pour qu'il n'y ait pas attaché. Et plus bon Dieu béni ou, plus ou béni l'autre. Fort ou à ma jambe, suspend rouler. Plus bon Dieu maintenant, mais on gratte nos mains malheureuses. Mm-hmm. Pendant que nous avons parlé de même bagaille avec pasteur, comme Jean a dit là, pasteur qui béni ou bien qui t'a aimé riche. Bon, nous avons un pasteur qui est très connu, c'est pasteur Grégory Toussaint, qui, par contre, c'est Floride ou bien Miami, qui bolier. Bon, en tout cas, pasteur ça, nous connaissons que l'église est vraiment bon, l'église extraordinaire, qui est très grand, plein de monde. Mais si pasteur a dit comme ça que l'État aimé, premier milliardaire ou millionnaire, oui, ça dit, milliardaire. Aidez-moi, tiens, sa question. D'après
prédication, bon, pas prédication, mais c'est ça que Lydie dit dans une prédication. On croit que Lydie dit que l'Italien aimait pour l'État premier milliardaire, premier pasteur milliardaire haïtien. Haïtien. Et pasteur ça, d'après recherche nous tous, son pasteur qui est très exigeant dans le que mon Dieu a pas dit, mon bien, faut qu'il fait n'importe combien offrant dans un service. Alors, est-ce que c'est bibliquement des bagages ça encore pour plusieurs offrandes surtout dans un service si mon enfant bail dit mais est-ce que mon doit bail n'importe 3 4 5 offrandes dans un service dimanche? C'est sûr que dans le cas du pasteur Grégory Toussaint, un bagage qui réjouit. Ça qui réjouit dans le cas du pasteur Grégory Toussaint Jens, c'est que lui montrer à l'haïtien au complet que nous pas obligés fait si bagaille tête chatte. Gon gens pour nous représenter bon Dieu noir, gon gens pour nous extravagant et puis c'est pas qualité par la caille caucasien seulement. Oui. Ça moi t'a encouragé par contre fidèle haïtien yo comprendre c'est que il faut prier pour l'homme parce que son homme de Dieu mais fort en même temps, yo pas tomber dans l'idolâtrie. Faut yo pas tomber dans l'idolâtrie parce que bon Dieu pape Jean ça me pas dit c'est lui qui fait le comme ça. Par contre en matière d'offrande, bon Dieu pape Jean mandé au sort pas gagné. L'a demandé pour faire un sacrifice avec exemple même toujours dit l'église moi semer par la foi, c'est semer ça bon Dieu bah ou c'est pas déposer carte de crédit ou et puis m'pas dit c'est ça pasteur ça fait. Mais le point que j'amène c'est que l'haïtien en même temps faut le prendre tête dit de la semer. Faut le comprendre également que gon l'argent bail dit qu'à entraver mariage parce que c'est pas toutes les fois que Marie a converti, c'est pas toutes les fois que décision ça y prend à deux. Et en même temps, faut nous comprendre que nous toutes qu'a fait gens mais nous toutes tout fait gens mais nous toutes pas qu'a fait même gens. De ce fait, je pense que lui incarner quelque chose de bon pour l'église haïtienne en même temps l'idolâtrie aussi est dangereuse et en même temps, je pense que l'haïtien doit faire attention. Est-ce que nous avons un mouvement ce côté dit ouais Satan partout ou est-ce que c'est la personne de Jésus que l'a pas prendre? J'ai peur que y ait une suraccentuation par ces gens de ministère là, y ait une suraccentuation de la personne de Satan et y ait une sous-accentuation de la personne de Jésus. Donc nous vignons pas qu'être monde cap suivre bon Dieu tout simplement pour une intervention et non pas pour une relation. Il y a Satan tout côté. On moun ka coupé de coup de jeune, il pas besoin qu'on ait si son plume qui t'est tombé dans Géo. Ah, moun sa son. Il y a Satan tout côté. Donc, grand paranoïa spirituelle. Mais la journée que paquet moun sa yo a exposé à la parole doctrinale, pifon yo a démissionné parce que haïtien toujours pensé moun a fait de ce fait dans notre paranoïa nationale. Nous, Satan tout côté et nous remet ces gens de ministère là côté nous parler de Satan en pile, mais nous parler très peu de Jésus lui-même. Maintenant, je pense que pasteur Grégory Toussaint est un homme très formé, un intellectuel, un grand homme de Dieu qui inspirait pas quatre ministères pour y aller plus loin, même pas encourager également les fidèles haïtiens pour questionner eux. Est-ce que m'attacher à la personne de Jésus ou bien m'idolâtrer en ministère, mon phénomène de foule ou est-ce que son conviction personnelle m'a gagné pour me voir toute l'agence à yo? De ce fait, m'pas compte tout ça qu'a fait avec l'agent, même qu'on est, lui son monde qui a bâti en vision pour le royaume. Est-ce que c'est comme ça m'a fait? Non, même qu'on est, lui son monde intègre, c'est pas propre vie pas l'a bâti. Et si Lydie dit qu'il milliardaire, c'est pas en phrase que me trouvais qui sage, mais connaissant l'homme, moi convaincu que c'est pour bâtir les affaires du royaume. Mais le danger dans tout ça, c'est que vous n'avez pas quelques monde qui pas contre qui j'ai payé hypothèque demain matin, qui j'ai le prêt à payer l'école privée de leur enfant, mais vous voyez offrande miracle ou offrande Salomon ou offrande ceci cela, bon Dieu pas jamais demandé au sort pas gagné. Exactement. Mais est-ce que c'est normal aussi que est-ce que pour bailler l'évangile bon Dieu est-ce que on doit vendre ou bien c'est gratuit parce que moi ouais que pasteur Grégory, la Bible dit vous avez reçu gratuitement donné gratuitement. Pasteur Grégory mettait des prédications en ligne sur Amazon pour
vann. Ça veut dire si vous voulez aller garder ça, la dire, ça la prêcher, il faut que vous payez pour capable. Est-ce que c'est bibliquement de ça? Parce que c'est l'évangile ou attendez. Je pense que lorsqu'il s'agit, ça c'est moins, il y a l'autre pasteur qui voit d'une autre façon. Pour toutes les fois que je voyageais, je n'étais qu'à retourner encore avec beaucoup plus d'argent, même pas des convictions personnelles pour mettre CD sous coffret DVD pour me revendre, ça c'est moins. Mais il y a l'autre en même temps qui, avec la radio, avec les bâtiments, avec les... à chaque fois que M. Fond réveille, c'est des milliers de dollars en six chiffres en dépenses. Donc s'il n'a pas gagné ses sources, et il y a un autre bagage comme qu'a dit, ça ne m'a pas parlé pour tout pasteur. C'est pas parce que ouais, tout le monde levé à l'enveloppe yo, que il y a l'argent vrai. Il y a pas quelqu'un qui a menti dans l'enveloppe là. Il y a une enveloppe qui vide, il y a monde qui met monnaie dans l'enveloppe yo, il y a monde qui fait semblant à faire un parade, il y a fait un parade $500 là, ouvrir l'enveloppe là c'est $5. C'est ça tout.